Hey, this is the bad boy, Joey Janela. Welcome to Hal's Blog. I think on YouTube, probably. I don't know. We're in Paris. And I don't know where Nick Wayne is. He might be abducted by traffickers. But he's somewhere, I hope. You never know in these European countries. Sometimes they'll get you. Just kidding. And that's the Eiffel Tower. Same size as my cock. Exact same size as my penis. It's cool, right? Cool. Nick! Yo. Traffickers got him, I knew it. He's already in, probably already in Indonesia or something. Threw him right on one of these boats. On his way. Sad. Anyways. See you tomorrow at the show. And yeah, tonight I'm gonna go get drunk. Yeah.
you for living.
was at this moment he knew he fucked up. Oh man, you saw that shit? JCW Championship just became JCW World Championship. Jordan Oliver just beat MDM in fucking France. And still, you're JCW World Heavyweight Champion. Cause I'm young dumb, and better than you. Amis, le show est très 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 haut. Dernier match officiel de Nick Wayne ici en Europe avant la EW. C'est Bodyzoy qui l'a eu. This is my first time here in France. My first time here at Bodyzoy Wrestling. And all I can say is Bodyzoy, from the second I stepped out of the curtain to the second I walked back through it, I just felt an electricity, an energy that I've never felt before. You guys made me feel some type of wave, a feeling that I've never felt before. So Bodyzoy Wrestling, please know from Nick Wayne that you guys are something very special, and Bodyzoy Wrestling is one of the best promotions in the fucking world. Thank you. Keep him just like a Saxon. Good. Yeah, just like Saxon too. I met him Reprise dans moins d'une minute, les amis. Oh merde, les cheveux. Ça y est, c'est le moment. Chase Hardcore pour la toute première fois Bodyzoy Wrestling. Thank you.
Jacob Balok, votre superstar Amish. Ce soir, le plus grand défi de ma jeune carrière. J'affronte l'homme invisible à Bodiesel Wrestling. Va falloir ouvrir grand les yeux, même si vous risquez pas de le voir beaucoup. Parce que ce soir, je le défonce. Ça va être une dinguerie. Let's go, Johnny!
Les amis, merci à vous d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui regardent les vlogs d'habitude, vous avez peut-être remarqué que celui-ci était un petit peu différent vis-à-vis des précédents. Eh bien, tout simplement parce qu'en toute transparence, je n'ai quasiment rien filmé sur ce vlog. C'est Florian qui travaille avec moi depuis maintenant quelques shows sur le vlog, qui a quasiment géré l'intégralité des prises de vue que vous avez vues, des segments, bref, qui a fait un travail, qui fait de manière générale un travail de fou furieux sur les vlogs, mais qui a vraiment pris en charge quasiment l'entièreté de ce vlog. Au moment où je tourne ce rush, au moment où je tourne cette conclusion, je n'ai pas vu ce que lui a tourné. Donc je vais passer au montage et je vais découvrir en montant ce qu'il a fait, mais je n'ai aucun doute sur la qualité de ça. La raison est simple. Ce show était énormissime. J'étais occupé avec le fan pass, j'étais occupé avec le show. On était tous très occupés, hein. Il n'y avait pas que moi. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais et du coup le vlog de mon côté n'était pas dans la liste des choses prioritaires. Et malheureusement, parce que j'aime beaucoup les vlogs, c'est presque, je pense, avec les interviews, les deux formats que j'aime le plus sur ma chaîne. Malheureusement, j'ai pas eu le temps et l'énergie de m'investir autant que j'aurais voulu dans ce vlog. Voilà. Donc c'était important pour moi de remettre les choses dans son contexte. Mais comme vous pouvez le voir, on est dimanche soir. Ça se prête très bien à une conclusion. C'est une fin de semaine, c'est une fin de show. J'espère que vous avez kiffé le fin de passe. J'espère que vous avez kiffé le show. Parce que le show était fou. Moi, j'ai plus de voix. J'ai plus de voix, je suis KO, je suis HS. Ce soir, je vais aller coucher très tôt. Beaucoup de repos pour moi. Je pense que c'est bien mérité. Voilà. Ça, c'est le van que je vais aller rendre dans quelques instants. Le van qui a été loué spécialement, en fait, pour transporter tout simplement les catcheurs que vous voyez d'habitude du côté de la GCW. Voilà, les Américains, Joey Janela, Ninja Mac, iCatch. Bref, tous les Américains que vous avez pu voir sur le show étaient dans ce van il y a quelques instants. Je viens d'aller les déposer à l'aéroport. Je viens de finir de nettoyer le van. Je vais aller rendre le van dans quelques instants. Et je pense que ça sera une fin de week-end, une fin de show. Donc, merci à tous d'être venus vraiment du fond du cœur. C'était un énorme show qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Vous avez répondu présent et pour le show et pour le fan pass. Donc, pour ça, je vous en remercie. Honnêtement, j'ai eu des émotions de fou furieux ce week-end. Voilà, je fais pas ça souvent, mais le catch, ça me fait vibrer. Et ce show-là, il m'a... Vous avez été au-dessus de tout, encore une fois. Donc, vraiment, merci à tous. La fatigue qui parle, les émotions, mais honnêtement, franchement, c'était super important pour moi. Donc, merci à tous, les amis. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne ou sur un show Body the Wrestling. Des bisous pour tout le monde. Prenez soin de vous, c'est super important. Et on se retrouve très bientôt. A ciao, ciao. Bye, bye. Coup de boule ou pas coup de boule? Coup de boule! Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche.